Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce tag. Avec le papillon qui fait partir de la planche de tamponnage de chez Coco Rossa, ainsi que le die de bordure. Il va vous falloir donc la planche de papillon de chez Coco Rossa. Choisis ce papillon-là. De la Distress Ink pour faire les rebords. De l'encre Stazone, car nous allons nous servir de l'aqua couleur. Un petit œillet que j'ai fait avec une perforette, ainsi que de la dentelle. Des demi-perles. Crayon aqua couleur avec un pinceau. Une page d'un livre. La découpe de notre die dans du papier craft et nous allons nous servir d'une feuille craft évidemment pour faire la carte de base. Je vous montre la petite perforette que je me suis servie pour justement faire l'œillet. On va commencer par faire les découpes de notre carte de base sur notre feuille craft. Les dimensions vont être de 13 sur 17. J'ai pris la largeur de notamment la découpe de die. cm sur la largeur et 17 sur la longueur. À l'aide de mon ciseau, je vais couper les deux angles pour former le tag. Pour avoir l'identique de l'autre côté, je vais me servir de la chute que je viens de découper. Je la positionne correctement et à l'aide d'un crayon, je vais faire un trait. Cela va me permettre d'avoir la même dimension des deux côtés et ensuite je découpe. Je vais coller vers le bas du tag la découpe de die. Je l'encolle correctement. Bien essuyer le surplus de la colle avec un chiffon. J'adore cette découpe de die. Maintenant, je vais prendre ma page de lecture, ma Distress Ink pour pouvoir faire les rebords et ma colle. Je vais la déchirer un peu dans tous les sens. Ceci et ensuite je vais la positionner, mais avant de la positionner, je vais faire les rebords avec la Distress Ink Vintage. Cela donne un côté vieilli.
beaucoup cette apparence. Je vais éventuellement faire les rebords de mon tag. Ceci. Je vais coller le morceau de papier sur mon tag sans spécialement le centrer. Le tag prend forme. Je place mon tapis de mousse sous mon tag pour pouvoir ensuite faire le tamponnage et je vais me servir de l'encre Stazone. Je me sers de cette encre car tout à l'heure, lorsque je vais colorier avec les aquacouleurs et le mélanger avec de l'eau, mon encre ne va pas bouger. Je positionne mon tamponnage au centre. Il est superbe. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir passer à l'aquacouleur. J'aime beaucoup ces aquacouleurs parce qu'on va dessiner les papillons et ensuite, pour pouvoir bien étaler les couleurs, je vais me servir de mon petit spray où c'est que c'est de l'eau qu'il y a à l'intérieur et avec un pinceau, je vais légèrement passer dessus. L'eau avec mon pinceau fait un joli mélange de couleurs et élimine les traces de crayon. Pour les personnes qui désirent savoir où c'est que j'ai trouvé ces crayons, je les avais trouvés chez Bureau Vallée. Je vais prendre un bleu plus foncé pour faire des reliefs. Puis je remouille mon pinceau et je vais étaler les deux couleurs avec mon pinceau. Cela va me permettre d'avoir un léger dégradé de couleur sur mon papillon.
Je vais mettre de la couleur sur le second papillon. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas précisé en début de la vidéo, mais j'ai fait deux découpes de papillons. C'est pour donner un peu de relief sur le tag. Je vais reprendre mon encre Distress Ink et je vais pouvoir coloriser mes deux découpes de papillons. On les colorera par la suite en effet 3D pour donner un peu plus de volume au tag. Je vais découper mon morceau de dentelle pour qu'il fasse la largeur de mon tag. Puis je la colle proprement. Je suis fan de ce tamponnage. Je vais donner un effet 3D au papillon et l'encolle avec mon tube de précision. Je refais la même chose avec la seconde découpe de papillon. Maintenant, je vais faire le trou au centre, en haut du tag, pour pouvoir ensuite y passer le ruban. Je prends mon petit œillet que j'ai découpé avec la perforette et à l'aide toujours de mon tampon, je vais la faire les contours avec la Distress Ink Vintage. Toujours dans la même intention de lui donner ce petit côté vieilli.
puis je le colle. Il ne restera plus qu'à rappeler la dentelle qu'on mettra autour de l'œillet. Pendant que la colle sèche pour l'œillet, on va placer les demi-perles. Je vais en positionner 6. Alors vous pouvez en faire plus ou en faire moins, ça c'est selon votre goût. Je trouve que les demi-perles donnent un côté raffiné. Alors on pouvait faire le tag beaucoup moins large, mais j'avais vraiment envie de garder la largeur du die. Je le trouve chic et sobre à la fois. On va placer le reste de la dentelle dans l'œillet pour pouvoir finaliser le tag. Tag est terminé. Je vous remets en barre d'infos le lien que j'ai utilisé pour le die ainsi que la planche de tampon de chez Coco Rossa et mon code promo qui vous ferait bénéficier d'une remise de 20% sur votre commande. Je vous dis à bientôt.